Allez, salut les bouclés. Donc, on va démarrer. Je vais parler à vous et pas pour la vidéo quand même. Donc, on fait de l'automne. Souvent, quand on passe en discret, il y a deux confusions. N'oubliez pas que vous avez un système qui est en continu avec un G2P. D'accord. Et vous avez les mesures qui arrivent. Donc, ça, on appelle le process. Et ensuite, ben, vous allez avoir ici un contrôleur qui va être discret, d'accord. Donc vous allez avoir ici une discrétisation du signal, et vous allez envoyer ici une commande, mais rappelez-vous, dans notre cas, c'est une PWM, donc je maintiens un rapport cyclique pendant un certain temps. Et tous les TE, je change ce rapport cyclique. Donc ici, il va y avoir quelque chose, alors qu'il y a l'interface, hein, c'est soit la PWM, soit le Digital to Analog Converter, vous allez avoir, qui va maintenir une commande pendant un certain temps. Donc là, ce qui fait que, quand j'ai décidé d'envoyer à temps discret la commande à l'instant UK, la commande à l'instant UK plus 1, ben, il y a un bloc qui fait que c'est maintenu pendant un certain temps en sortie. D'accord ? J'ai UK... Et UK plus 1 qui est maintenu, TE après. Ce bloc-là, donc chez nous, la PWM, dont on met à jour un rapport cyclique, dans notre cas, le DAC ou d'autres phénomènes, on va le modéliser par ce qu'on appelle le bloqueur d'ordre 0. Bloqueur d'ordre 0, d'accord. Je vous refais la blague, je vous ai déjà fait l'explication, mais heureusement qu'en anglais, d'habitude, on inverse les cycles, mais c'est pas comme ça, en anglais, c'est... 0 order hold. Bloqueur se dit hold, c'est dommage. Donc pas bloqueur. Et on y est. Et donc là, j'ai mon interface. Et ici, ben, il faut que je fasse une commande. D'accord ? Cette commande, ça va être une récurrence. Ça veut dire ça va être un programme qui va envoyer une commande UK. Et ce UK, ça va être quoi ? Ben, ça va être... des coefficients qui dépendent des commandes que j'ai envoyées avant, d'accord, plus des coefficients qui dépendent de mes mesures, d'accord, V0, Y2K, moins 1. Donc quand je fais une commande linéaire, il ne se réveille pas lui, là. Ah si, c'est bon, quand je fais une commande linéaire, je vais mélanger mes sorties d'avant avec mes mesures d'avant et mes mesures de l'instant. Donc cette récurrence qui va faire ces calculs-là, voilà ce qui se passe dans la vraie vie. J'ai deux manières de la trouver, cette récurrence. D'abord, il va falloir que je trouve, je vais modéliser cette récurrence par une fonction de transfert qui va me dire U2Z en fonction de Y2Z, ma mesure, est égal, je vais avoir une fonction de transfert, et je mets en œuvre mon Z, qui est une avance, ou mon Z moins 1, gna gna gna, plus Z moins 1, d'accord. Il faut que je trouve une fonction de transfert en Z de cette commande. Et là, j'ai deux options. J'ai l'option, si j'ai bien aimé le KP à papa, j'ai une option qui part du même esprit du KP à papa, c'est-à-dire, je vais penser un correcteur, mais en continu, avec un process à temps continu. Ok ? Pardon. Plus et moins. Voilà. Donc ça, ce C2P, vous savez le faire. On a dit, on a fait KP. D'accord ? Dans le même esprit dont on a fait KP, on peut passer à un PI. Et avoir ici une fonction de transfert en P. Le problème, c'est de trouver ensuite une récurrence qui va se rapprocher le plus possible de ce comportement. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la synthèse à partir du continu. Et là, ce qu'on va utiliser, c'est une transformée bilinéaire. On va trouver une équivalence, je vous ferai une autre vidéo, une autre explication là-dessus. Mais en gros, on va pouvoir dire que P, c'est à peu près pareil que... Alors attendez, quand j'intègre, je multiplie par TE, donc c'est 2 sur TE, Z moins 1 sur Z plus 1, quelque chose comme ça. D'accord ?
Elle est peut-être fausse, je me trompe de signe, mais je vous expliquerai comment retrouver ça très rapidement. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Dériver, c'est à peu près faire ça. Donc après, ben, c'est tout simple. J'imagine ma commande à papa. J'ai mon correcteur C2P que je trouve à papa. D'accord, à papa, ça veut dire en temps continu, simple entrée, simple sortie. D'accord, pas d'espace d'état, pas de display. C'est ça la commande à papa. Donc j'ai ma commande à papa C2P. Et qu'est-ce que je fais? Je remplace P par ça. Tout simplement. Hein, si j'ai KP plus KI sur P, d'accord, je vais remplacer P par ça. Et je vais me retrouver avec un C2Z qui sera là. D'accord? Donc je remplace P par 2 sur TE, je remets en forme numérateur dénominateur et je vais trouver des coefficients fois, alors, je peux faire utiliser Z-1 comme représentation, gna 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 Z-2, et je retrouve un polynôme. D'accord? J'aime bien vous parler de détection d'erreur. Quand je fais ce calcul-là qui est calculatoire, KP, KI, je connais ces unités relatives. Bon, je sais que c'est des VKP, c'est des sorties sur de l'entrée en unité. Quand vous allez trouver des coefs ici, votre C2Z, il doit avoir les mêmes unités relatives que lui. Donc il doit être homogène à du KP. D'accord? KI, c'est KI sur P, P, je remplace par J oméga, je dois être homogène. Quelle est la dimension de Z? Quelle est la dimension de P, à peu près? P, c'est J oméga, c'est 1 sur du temps. D'accord? Donc je sais que KI, il a la dimension de KP fois 1 sur du temps, c'est KP sur du temps, d'accord? Pour que l'addition soit toujours homogène. Et donc là, il faut que je me débrouille, mais Z-1, c'est exponentiel, c'est un retard de TE, donc c'est exponentiel moins TEP. D'accord? Une exponentielle, son argument doit être sans dimension, ça se vérifie. Hein. P est homogène 1 sur du temps fois TE, j'ai pas fait d'erreur, j'ai rien oublié. Son argument est sans dimension, une exponentielle est sans dimension. Z n'a pas de dimension. Donc quand je fais un plus ici, je dois avoir la même dimension ici et là. D'accord? Je ne peux pas ajouter des secondes avec autre chose que des secondes. Donc ça, ça doit avoir les mêmes dimensions. Ça doit avoir les mêmes dimensions, et cette dimension divisée par cette dimension, ça doit avoir la dimension de C2P, c'est-à-dire la dimension de KP. Et je vérifie comme ça très rapidement des erreurs, quand je fais ma synthèse. Une fois que j'ai mon C2Z, je n'oublie pas que c'est C2Z, c'est U2Z sur Y2Z, donc je peux très facilement remonter à une récurrence. D'accord? Là, j'ai une somme. C'est la version, c'est pas Y. De quoi? C'est pas Y. Oui, pardon, C2Z, c'est. Non, C2Z, c'est le correcteur, c'est la commande sur. Hein? Attention, il corrige, lui. C'est pas le process que je modélise. Donc, ça, je sais faire, j'ai sigma de A0 Z-1, puis un sigma de B0, pardon. Sigma de AI ZI, sigma de BI ZI, donc j'ai des polynômes en Z, ou en Z-1, d'accord, que je mets là-dessus. Donc je peux très bien dire que U2Z fois sigma BI de Z-I est égal à Y2Z fois sigma des AI Z-I, d'accord, je peux mettre à plat avec mon produit en 3. Et bien après, la transformée en Z, pour remonter une récurrence, elle est très simple. Dès que je vais avoir ça, je vais avoir un sigma de BI. U2Z fois Z-I, c'est quoi? En fait, c'est le retard, c'est I retard là-dessus. Donc je vais avoir mes BI U de K-I, qui est égal à une somme des AI, donc des sommes pondérées, des entrées retardées, divisées par une somme pondérée des entrées. Donc je peux extraire UK et avoir UK égal, et j'ai ma récurrence implémentée.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des mémoires, enfin, qui gardent en mémoire, qui regardent en mémoire les entrées. Exactement. Parce que quand celle-là, donc, je dois la retourner en UK égal, et donc là, je vais avoir des sommes de UK-I, des sommes de Y-I, ça implique que logiciellement, je mémorise toutes les mesures que j'ai eues, jusqu'à une certaine profondeur, qui est l'ordre de ma commande. D'accord ? Mais je dois mesurer les n dernières commandes et les n dernières mesures dans un petit buffer de mémoire. J'en profite pour insister sur une vieille astuce de Brigand. C'est qu'il y a quelque chose qu'on oublie. C'est que j'ai modélisé ma PWM par un bloqueur d'ordre 0. Enfin, là, on ne l'utilise pas quand on fait de l'automat papa. Mais n'oubliez pas que j'ai une saturation qui va apparaître. D'accord ? On a toujours spécifié la vitesse 2-3 fois plus rapide que le système pour ne pas trop le busquer, mais il y a une saturation qui peut apparaître. Il y a des gros problèmes si je ne mémorise pas la commande saturée. Dans la mémoire de U2K, je sors un U2K, mais je vais d'abord la saturer. C'est ce fameux if, si c'est plus grand que 2048 ou plus petit que moins 2048. Je vais saturer, j'aurai plus ou moins 24 volts, je vais la saturer, je la connais cette limite, je la connais logiciellement. Donc en fait ici, j'ai ma commande brute, ici, qui est calculée par la récurrence, et ici j'ai ma véritable commande que je vais envoyer, qui est une saturée. Il faut absolument que je mémorise dans mon buffer les commandes réellement envoyées, c'est-à-dire saturées. D'accord ? Parce que je peux, dans ma récurrence, venir mémoriser ce que donne la récurrence, mais en fait, envoyer beaucoup moins. Et là, je vais avoir des phénomènes de wind-up qui apparaissent. D'accord ? Je referai une vidéo sur le wind-up en détail, si vous voulez, mais vous allez voir des survitesses, et donc c'est très déstabilisant pour la commande. Donc, il vaut mieux mémoriser la commande réellement envoyée, ça évite que la commande vienne s'envoler et taper en saturation... C'est clair pour cette première méthode ? Ça, c'est la méthode à papa. Et souvent, une question, hein ? C'est bon ? Sur l'automat papa, donc c'est calculatoire. Hein. N'oubliez pas d'utiliser les dimensions pour vérifier vos calculs. Il y a plein d'autres méthodes de vérification, notamment une pour vérifier les gains. C'est de chercher le steady state. C'est-à-dire, quand est-ce que ça ne bouge plus ? D'accord ? Et quel est le comportement ? Donc, si j'ai un pays, normalement, quand mon entrée ne bouge plus du correcteur, je vais avoir normalement quelque chose qui s'envole. Comme mon entrée vaut tout le temps zéro, je dois avoir ma sortie qui ne bouge plus. Et vous pouvez intégrer ça dans la récurrence. Vous dire, ben, si je suis comme ça, mes Y sont tous les mêmes, YK-1, YK-2, c'est Y étoile. Et vous regardez ce que fait la récurrence et qu'est-ce qu'elle vous donne sur U. Est-ce que UK va bien rester constant si Y vaut toujours Y étoile, quelle que soit la mémoire. Quelle est mon entrée, ma réponse inconstante. Ça, c'est des petits trucs qui permettent de révéler les erreurs analytiques. Hein. On est très fort pour en faire, moi je suis le meilleur là-dessus pour intégrer des erreurs. Mais il y a une autre option, cette manière-là, elle a très peu été évoquée, je pense, en cours, très rapidement. Il y a toute l'autre manière. Il y a une autre manière qui consiste à dire, ben, je sais que je vais envoyer des commandes comme ça, je sais que j'aurai un bloqueur d'ordre 0, je sais que j'ai un process G2P, et que je vais mesurer ici des YK. Et l'autre méthode... c'est d'aller écrire le modèle discret lorsque je mets ma main ici pour commander et je mets un œil ici pour voir. Je me mets du côté du correcteur. Je vais donner des U2K. Il va avoir un bloqueur d'ordre 0, un process, et je ne vais ouvrir les yeux que tous les TE pour voir un Y2K. Tiens, quelle est l'équation entre U2K et Y2K ? Ok, ça c'est la version que l'on se pose. Si je fais ça, je vais vouloir obtenir un G2Z.
pas un C2Z. Ne confondez pas. D'accord ? Je veux maintenant voir l'équation de ce système-là. Bloqué, échantillonné. Et là, c'est génial, parce que je peux trouver exactement, je ne fais aucune approximation, je vais pouvoir trouver exactement les équations qu'il y a entre YK et U2K. Sans erreur. J'insiste bien, sans erreur. Donc, je peux descendre un TE très très lent par rapport au système. J'aurai les équations exactes. OK ? Pas besoin, comme dans cette méthode, je vous rappelle le problème du KP à Kappa. On a toujours pareil. Quand je remplace P par sa transformée en bilinéaire, je fais une supposition, c'est que ma fréquence d'échantillonnage est très rapide par rapport à la constante de temps. D'accord ? Donc ça, ça m'oblige à aller très vite. Cette équation-là, elle est exacte, elle ne fait pas d'erreur. Le modèle d'un bloqueur d'ordre 0, je vous l'ai déjà dit, je vous le réexpliquerai, c'est en fait un intégrateur. Si j'envoie sur mon intégrateur, si j'envoie des impulsions de Dirac, il va intégrer le Dirac, il va monter à UK. La deuxième impulsion de Dirac, elle va me faire monter à UK plus UK plus 1, elle va sauver tout. Donc j'ai quelque chose qui monterait comme ça. Donc le modèle d'un bloqueur d'ordre 0, c'est un intégrateur en temps continu. Mais au lieu de lui faire intégrer UK plus 1, je lui fais intégrer la différence UK plus 1 moins UK. Juste la différence, comme ça. Quand je vais intégrer ce Dirac, paf, je vais monter ici. Je vous ferai l'explication plus en détail. Mais c'est un intégrateur, et en amont, je trafique les impulsions de Dirac que je mets par un différenciateur. D'accord ? Z moins 1 sur Z, je vous l'écris autrement, c'est 1 moins Z moins 1. Hein ? J'ai pas fait d'erreur, là. Donc c'est juste que, quand je lui donne une commande, ce qu'il envoie à mon intégrateur, c'est ma commande moins celle d'avant. La différence entre UK plus 1 et UK. Du coup, l'intégrateur, il était à UK. Si j'envoie la différence, ben, il va monter à UK plus 1. Parce que je renvoie UK plus 1 moins UK. Du coup, la fonction de transfert entre Z et différenciateur, c'est juste UK moins Z moins 1 UK. Il n'y a pas de P qui apparaît. Alors, attendez. Alors du coup, on l'a fait en vrai, cette explication. J'ai mon UK qui arrive. Et avant, j'avais UK moins 1. Ce que je vous dis, je passe à travers un bloc différenciateur. 1 moins Z moins 1. Donc ici, je vais retrouver une première différence. Là, une deuxième différence qui va être UK moins 1. D'accord ? Mais ça, j'ai toujours pas ma fonction escalier à temps continu. Ouais, ça, il faut l'intégrer. Donc ça, il faut bien quand même que je l'amène sur un intégrateur à temps continu. OK ? Donc, si je veux faire une transformée exacte, j'ai juste à dire, ben, cet intégrateur à temps continu, je le mets, d'accord ? Je le mets avec mon process. Et je transforme ça, je sais très bien prendre un système linéaire à temps continu et pouvoir donner ça transformé en Z, c'est-à-dire sa mesure de temps. Et je mets cette partie là, cette partie du modèle du bloqueur d'ordre 0, je la laisse en discret, 1 moins Z moins 1. D'accord ? D'où la fameuse formule que vous avez vue. Je fais donc mon Z moins 1 sur Z, qui n'est que le différenciateur en fait, fois la transformée en Z de G2P sur P. En fait, je fais quoi ? Je fais une transformée exacte de mon système dans laquelle je rajoute le modèle du bloqueur d'ordre 0. D'accord ? Et pour ça, pour le modéliser, j'ai mis un intégrateur et j'ai mis un différenciateur pour qu'il intègre les différences et il me fasse ça. Ce modèle est exact, il n'y a pas à se tromper. Une fois que j'ai mon G2Z, là, et maintenant, il me faut des outils théoriques pour obtenir un C2Z. D'accord ? Je ne peux pas dire, je veux un PI et tout ça, et là, on retombe dans tout le cours que vous a fait Germain, avec toutes les méthodes. Lui, il est passé surtout par de la représentation d'état, qui permet d'avoir en plus du multivariable, plusieurs mesures, plusieurs commandes.
et du placement de pôle. Mais avec ça, vous pouvez trouver un C2Z avec la méthode RST et compagnie, la méthode placement de pôle numérique, et vous trouvez vos coefficients de C2Z. Une fois que vous avez fait ça, même recette, vous passez à la récurrence de manière analytique et vous trouvez la récurrence. C'est bon ? Donc il y a deux process. Il y a l'automapapa, je fais une synthèse en temps continu. Ça, c'est bien quand j'ai que des électroniciens autour de moi. Je vais faire ça. Si je fais ça là-bas, je perds tout le monde. Je suis tout seul. Personne ne me comprendra. Donc je fais de l'automapapa. Attention, TE largement plus rapide que la constante de temps du système. Rappelez-vous que le fait de faire la bilinéaire, c'est juste faire une intégration par trapèze. Donc il faut que je fasse des trapèzes tout fins pour que ça soit exact comme représentation. Donc j'ai un TE très rapide. Là, je n'ai aucune contrainte sur TE, mes équations sont exactes. Donc si je fais une synthèse en discret, ça me permet... C'est plus compliqué quand même que l'automapapa déjà. Mais quel est l'avantage? Imaginez que j'ai deux pôles et que je place mes deux pôles, pas fissola, mes deux pôles, je les place à 0,5. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je peux tracer la réponse à un échelon de mon système en boucle fermée avec ça. Je sais que si j'ai mes pôles aux alentours de 0,5, je vais avoir une constante de temps qui va être, grosso modo, pas loin de 2 échantillons. D'accord ? Enfin, je trace ma réponse indicielle. Je vois mon temps de montée en discret du système corrigé fermé qui va être 2 TE, 3 TE, 4 TE. D'accord ? Je n'ai toujours aucune contrainte sur mon TE. Autant en automapapa, je vous les ai expliqués les vidéos d'avant, il y a le retard dû au bloqueur d'ordre 0, la rapidité qu'il faut pour que l'approximation soit exacte. Autant là, je n'ai toujours pas vu de contrainte sur TE. Ouais. TE, il ne joue pas sur le dépassage en discret. Ça dépasse pas un peu. Alors, dans ce modèle-là, je n'ai plus à prendre en compte le dépassage. Il est mis en équation, ce dépassage. C'est ça qui est bon. Il vous dit exactement ce que vous aurez. Donc, rien ne m'empêche de me sentir surpuissant et de faire, c'était mon erreur quand j'étais jeune, en BE, je me suis dit, ben, je vais faire la réponse pile, je vais placer tous les pôles en zéro. J'en avais deux. Ça veut dire qu'en exactement deux itérations, on tombait pile poil sur la valeur finale. Surhumain. Mais j'ai gardé un réflexe d'automapapa, j'ai pris TE beaucoup plus rapide que tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire quand on passe par ce chemin-là. Ben, j'ai calculé un correcteur capable de demander votre trottinette, elle est à la seconde, à peu près en temps de montée, on va dire. Eh bien, j'avais pris 100 TE, donc elle était capable de répondre en 1/200 de seconde. 5 millisecondes. C'est ce que disait ma théorie. Donc, que faisait mon correcteur? Dès qu'il y avait les champs qui apparaissaient, bah, il partait en saturation. Eh oui, il demandait comment amener une trottinette en 5 millisecondes à sa vitesse max, avec monsieur Acco de 100 kg dessus. Il va demander 40 kV. D'accord? Eh bien oui, mais on va le saturer. Et donc j'avais une commande qui était beaucoup trop stressante pour le système, et qui heureusement était saturée. Et à partir du moment où il y avait saturation, j'avais fait l'erreur dont je vous ai parlé avant, je n'avais pas mémorisé les valeurs saturées, et le système est devenu extrêmement instable. Pas marché. Donc là, l'avantage de cette méthode, c'est de se dire, ben je sais qu'en 4 TE, j'ai mon temps de montée qui est là, et c'est là il ne faut pas décoller. Il faut se dire, ben, si la constante de temps de mon système, en gros, il monte à un temps tôt, ben, il ne faut pas mettre 4 TE, il faudra le mettre à taux, 2 taux. Allez, on va aller 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, mais plus je deviens ambitieux, par exemple, je dis que je monte en deux taux, un taux sur deux. D'accord? Ben, mon 4 TE, c'est taux sur deux. Je veux dire, mon temps de montée, c'est à peu près deux fois plus rapide que la nature. J'aurai une commande raisonnable qui ne devrait pas le faire saturer. Trop. D'accord? Et là, je m'en sors.
Et ça permet d'avoir des constantes de temps très très lentes. Si vous régulez la vitesse avec une commande qui est faite comme ça, vous allez avoir un TE qui va être de l'ordre de taux. Donc une commande qui va être à 10 Hz. À 10 Hz, vous allez mettre à jour votre commande et vous allez avoir un truc qui marche. Il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun retard anticipé. C'est mis en équation. Ça qui est beau. Mais il faut faire gaffe sur le TE. D'accord ? Autre danger, je termine là. Si je mets, vous allez voir dans vos récurrences, vous avez souvent dans votre C2Z, vous avez souvent des facteurs qui sont en 1 plus 1 moins TE, quelque chose comme ça. Et si je mets un TE très rapide, malgré le problème que je peux amener de la saturation, je vais commencer à avoir des coefficients qui vont être une fois UK moins 1. Pardon, ça c'est le 1, c'est le UK, pardon, je me trompe. Ici, je vais avoir un coef qui va valoir 0,99998. Si je monte le TE très vite par rapport à la constante de temps du système, vous le verrez dans vos équations, je vais avoir mes coefficients qui se rapprochent presque idéalement de 1. Et qu'est-ce qui se passe sur un microcontrôleur ? Il arrondit. Le flottant, il arrondit. On va arriver à un moment où on va tomber en dehors des troncatures. Et ce gain que vous mettez là, ben, traduit au format flottant, ça va être 1. Et là, vous avez un système instable. D'accord ? Donc faites très attention au confinement numérique de votre correcteur. Quand vous commencez à avoir des valeurs très proches de 1, 1 plus quelque chose très proche de 1, vous commencez à avoir peur. Et là, il vaut mieux se calmer sur le TE. Vous allez voir, si vous réduisez le TE, l'écart qui est là, ce n'est pas cette forme-là, je me trompe, mais vous allez voir des coefficients qui deviennent assez séparés en valeur et qui ne vont pas vous poser ces problèmes. Est-ce qu'il y a des questions sur les... Ouais. Sur l'approche continue. Oui. Quand on utilise le BI, si on veut régler avec des ordinateurs, par exemple, est-ce qu'on le fait sur le continu, sur MATLAB, par exemple, ou est-ce qu'on passe d'abord en discret, on l'implémente et on règle après? Le Ziegler Nichols, ça veut dire qu'il faut quand même pouvoir mesurer un gain ultime et une période ultime. Oui. C'est ça que vous dites. Donc il va déjà falloir que je mette en place un retour proportionnel avec un gain K. Ouais. Et là, c'est génial d'utiliser Ziegler-Nichols, parce que Ziegler-Nichols, qu'est-ce qu'il met dans son modèle? Il dit « j'ai un système stable avec un retard ». C'est ça le modèle de Ziegler-Nichols avec un retard. Donc si vous commencez par faire un KP à papa, ce qu'on a déjà fait, et ce KP, vous vous amusez à le monter jusqu'à atteindre l'instabilité. Vous notez la valeur de KP, c'est le gain ultime. Vous notez la valeur des paires d'oscillation. Vous avez exactement le KU et le TU d'un Ziegler-Nichols qui est un premier ordre avec un retard. C'est votre discrétisation. Donc il colle très bien. Et vous pouvez synthétiser le C2P par Ziegler-Nichols. D'accord, il vous dit K sur 10, K sur 2, ou, d'accord, pour l'intégrale T ultime sur 8, etc. Vous prenez votre G2P, et ce G2P, vous faites une bilinéaire pour avoir le G2Z, et vous remontez à la récurrence. Donc on le fait sur le continu. Ah oui, c'est d'autant plus. Ouais, par une manip qui est faite en discret, sur le vrai process. Ah d'accord, donc on implémente quand même un K en discret. Vous implémentez le KP en discret pour de vrai, parce qu'il va vous mettre le retard que vous subissez. D'accord. Dans les mesures, vous aurez le retard. Les paires d'oscillation ultimes dépendent du retard qu'aura votre système. Donc c'est génial, Ziegler-Nichols, dans ce cas-là. Je fais un KP en discret à papa, j'espère qu'il est stable. D'accord ? Je mets mon système en oscillation, je note les gains ultimes, période ultime, je retrouve un correcteur à temps continu, et je le transforme, mais attention, il faut bourriner sur TE. Il faut un TE 10, 100 fois plus rapide que la constante de temps. Ouais. Juste au niveau des mesures, mesurer une période d'oscillation, comment on fait concrètement avec à l'oscillo. L'oscillo. À l'oscillo, moi j'ai déjà vu des gens mesurer à l'oreille avec des montres.
Donc, quand il réglait une pompe, c'est ce qu'on appelle le pompage d'ailleurs, ça arrive souvent sur les pompes, il avait un PID qui se réglait au tournevis, donc il mettait le I et le D à 0, il montait le P. Voilà, ouais, pour aller une seconde, puis paf, il réglait son truc à une huitième de seconde. C'est réglé au pif. D'accord ? Ça vaut la. Regardez l'effort de modélisation qu'il a fait. Donc, c'est pas la peine d'aller mesurer extrêmement précisément quand on fait l'effort de modélisation. Donc, vous faites du mieux que vous pouvez, je dirais. Et après, quand vous avez ces valeurs, après, il y a quand même manière d'ajuster les gains. On sait que si je rajoute de l'intégrale, je vais rajouter de l'oscillation. D'accord ? Et si je rajoute de la dérivée, je vais amortir. D'accord ? Et si je rajoute de l'intégrale, par contre, je vais corriger l'erreur statique plus rapidement. D'accord ? Donc en gros, je corrige mon erreur statique raisonnablement et après je remets du D. Mais je sais quoi. Je mets de la dérivée pour amortir, de l'intégrale pour qui va me faire osciller. Mais la dérivée va me rajouter du bruit, gna gna gna. Et je règle de manière empirique. D'accord ? Parce qu'on la mesure du mieux que vous pouvez. Il y a tout le diable des unités, il faut avoir la tête claire. Quand j'écris mon modèle, mes mesures, elles ont été dans quelle unité, et mon correcteur, il sera dans quelle unité. Ça, il n'échappe pas. C'est bon ? Bisous à tout le monde. À bonsoir.